week-end mouvementé, mais ça. Mais ça va. Mais moi, quand je suis en compagnie de Monsieur Dominique Barré, là. Ah bon? Ah oui, oui. Et moi, je suis sûr que beaucoup derrière l'écran ou derrière. Au niveau de la radio, là, il doit dire, tiens, elle a la chance quand même d'avoir Dominique Barré à côté d'elle. Ça, c'est vous qui dit, hein, vu qu'elle n'est pas. Hein. Ah, peut-être que tout à l'heure, on aura des messages. Hein, ah, bah, peut-être, avec plaisir. Hein, si... Franchement, c'est un honneur de recevoir. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'est toujours un plaisir hein, de partager ces moments-là. On fait un juste retour des choses. Hein, oui. Parce que c'est les gens là, donnent à moi, en quelque sorte, notre amour. Mm. C'est une belle énergie, ça. Hein. Voilà, et puis m'y essaye rendre comme il peut. Voilà. On rend bien. Et, oh. Et ce soir, ben, voilà, c'est une occasion de dire merci à moi. Oui. Voilà. Et n'a pas que de cette manière, il pense qu'on va faire. Non, mais il pense pas, non. Ma meilleure manière de chanter. Bah oui. Alors, attends, parce que bon, on n'a pas encore arrivé en direct, mais dans un instant, dans moins de 2 secondes, 3-4 secondes, le terminal de latence par ici. Non, parce que ce qui paraît aussi, il y a un duo ce soir. Nous, on profite, bon oui. Ah, mais on n'est pas au courant de ce duo-là, ah moi. Bon non. On en parlait hier. Ah non, hier non plus, j'étais pas avec toi au téléphone. Si, non, ça si. C'est pas vrai du tout. Essaye si. Même pas au gay rapat. Ça, c'est hors de question. Si c'est un duo entre toi et Dominique. Ça fait 2D, double D, donc je veux bien. Mais double D alors non, bon. Parce que sinon, non. Non. Sinon, non alors. D'accord, ok. Bah écoute, tant qu'à faire. Vraiment désolé, mais non, je tiens entendre ma voix. Je tiens entendre ma voix déjà. C'est comme ça quand je parle et que je questionne et que j'ai des réponses. Oui, et... surtout Sylvie, il cause beaucoup. N'est-ce pas, Sylvie? Oui. On aime bien, nous, quand tu poses beaucoup. En fait, je parle pas beaucoup. Qu'est-ce que... Allez, en direct à la télé. Merci. Ah. Merci, Franck. Le direct à la télé jusqu'à 22h. En tout cas, soyez les bienvenus au Télé-Extérieur. Également avec Sylvie ce soir. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va? Oui. Ça va, Sylvie? Ah oui, très bien. Très bien. Avec, ça se dit Monsieur Dominique Barré. Non, là, monsieur dit, maintenant, m'y connaît à lui. Il peut dire voilà. Avec nous. Monsieur, avec Dominique Barré. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Oui, on a commencé la... Pas encore l'interview, on a commencé l'intro. Non. On a commencé l'intro en musique, en douceur, oui. Avec voilà. Ses doigts de pianiste. Et du coup, bah, merci vraiment du fond du cœur d'être venu. Bah, c'est un plaisir. Parce que nous savons faire après, parce oui. Que nous savons se le rendre. Oui. Le temps qu'on aurait au niveau de la lumière et tout, voilà, oui, ce soit... Donc, encore, on rappelle, oui. L'interview. Oui, l'interview. Et là, ce soir, on se l'interview avec le JC et donc. Alors aujourd'hui, chargé de son album Europe, basé sur samedi 3, sur du secteur du droit. Cette structure propose des actions et des projets qui répondent aux besoins du territoire. On est là aujourd'hui des actions présentées aux besoins d'accompagner de jeunes. On va commencer par la demoiselle. Accompagnée de jeunes. Je vais vous présenter. Par la demoiselle. Et je vais vous présenter.
2023. On développera plus tard. Bien, un homme. On développera plus tard. On revient sur Madame Françoise. Oui. On revient sur qui est professeur anglais, de langue créole, de langue française. Qui est apteur en développer la langue elle-même. Ou bien au projet de culturelle en elle, mais aussi historique. Et là, cette année, nous aussi, on a pensé une musicale ensemble, qu'elle choisit par et au lieu d'appeler ça à nous l'année dernière, nous l'appelons ça Réuniforme. Donc le thème, le comédie musicale, c'est Bonne Forme qui réunit. On appelle ça. Le thème, le mettre tout dans le projet. Et nous avons comme marraine l'artiste en résidence, c'est quelqu'un de Saint-Benoît d'ailleurs. Et que nous mettons aussi, c'est Bernadette Philippe. Je travaille principalement sur la commune de Saint-Benoît. Moi, j'ai travaillé dans le collège du Boulay Saint-Benoît, donc je travaille pour mes élèves, moi, soit depuis la 5e jusqu'à la 3e. Après, c'est vrai que tu peux continuer au lycée, l'option au lycée, et même la transformer, tu peux continuer au bon normal lycée, l'option LVC, et même l'option la transformer, ça nous était appelé avant LV2. Donc, tu vas tâter l'espagnol, l'allemand. C'est-à-dire qu'il y a une plus de points, mais d'abord, travaille deux. Donc, tu le créoles. Donc, il y a des candidats. Cette année, il y a 15 élèves en seconde, lycée Bouvet. Donc, c'est déjà pas mal. Ils travaillent justement avec les autres aussi. Cette année, il y a 15 élèves en seconde, réuniforme. C'est un projet intégré avec pas mal. C'est justement avec les autres de Fontaine que peut montrer le bien aussi parce que c'est une femme active avec et avec le professeur de Bouvet, madame Nadège Thomas, avec le professeur et donc nous mettre ensemble. Et puis on a aussi des Français dans le collège qui travaillent un petit peu sur la partie théâtre, travaillent avec nous, 6e aussi. Et puis on a des élèves qui commencent créole depuis 5e. En gros, le collège, sur la partie théâtre, travaillent avec 6e aussi. C'est moi qui porte le projet, et depuis 5e. On fait réunion, nous mettons ensemble, mais c'est vrai que le projet...
un petit morceau. Plein de rencontres avec des artistes, c'est ça, une résidence artistique, c'est aussi pouvoir passer à l'oral aussi, mais peut-être pas, sur un projet comme ça, voilà, un projet artistique brevet. À un moment donné, pas, après au lycée, Mike m'avait emmené en 2019, Festival Créole Seychelles. Mettre mon piano, monter de A à Z, c'est pas comme que l'inspiration va venir. Pas mon fraté, moi aussi mes professeurs d'anglais. Mais il n'y a pas eu composition Depuis l'album Ma Lumière, depuis 2015, depuis 2015, hein, pas eu de composition. Et bon, on a tourné bien sûr, mais voilà, sans être inspiré, et sans éprouver la nécessité aussi. D'accord. L'album Ma Lumière, d'ailleurs, que je montre là à l'écran, qui a des chansons en fait que je ne connaissais pas. Oui. Parce que bien sûr, quand on vient sur un plateau télé, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir un petit peu les chansons de l'artiste. Mais c'est des chansons que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et que j'en ai même pleuré. Ah bon, à ce point-là? Ouais. D'ailleurs, tu as eu ton CD d'année. Oui, dédicacé. Tu écouteras et tu verras, ça prend les tripes en fait, ça prend le cœur, ça prend l'âme. Oui. Et je me demande comment ça se fait que je ne l'ai pas eu dans mes mains. Du moins, pourquoi ce n'est pas diffusé plus que ça? Est-ce que c'est voulu? Non, c'est pas voulu. Il y a eu à un moment donné un tournant. On a eu un tournant en fait. Le tournant, c'est le streaming, c'est Internet. Et après le CD, maintenant, les temps à disparaître. Et c'était à cette période-là, quoi, 2015, où le CD n'avait plus. Mais d'ailleurs, je ne les retrouve toujours pas. Du moins, si, certains titres, quand même. Je ne vais pas tout à fait mentir. Hein. Mais par exemple, Ma Lumière. Il y a des titres, il y a des morceaux de Sega que les gens y connaissent, parce que on a fait des clips et tout ça. C'est ça. Sur cet album, mais des chansons douces qu'il y a là-dessus. Non. C'est pas sur YouTube, c'est... Non, elles sont pas sur les plateformes. On attend quoi? Parce que moi, j'aimerais... C'est une question de temps, c'est une question... des fois, on connaît, on peut pas tout faire et... Bon, on n'a pas eu vraiment... Comment dire, l'opportunité d'entourer à moi suffisamment pour mettre ça en place. Mais elle n'est pas perdue parce que... Oui, parce que ce que Mia allait faire, Mia allait dire, c'est est-ce qu'on peut faire moi une faveur de mettre ces jolies chansons-là sur YouTube ou Deezer? Oui, on essaye de refaire la plateforme YouTube là, et peut-être carrément tourner des petits clips amateurs, quoi, des petits clips sympas. Et pour mettre en avant certaines chansons. Oui, parce qu'elles sont... Non, mais vraiment... Dommage. Cet album-là, pour moi, c'est un album très particulier. Il n'a rien à voir avec les autres. Et c'est un album, disons, introspectif. J'avais besoin de faire ça pour moi, pour retrouver à moi, pour... Ouais, retrouve mon identité, ma façon d'être. Voilà, c'est ça, exactement. Retrouver ma lumière. Et cet album-là était vraiment nécessaire pour moi. Après... Les gens qui connaissent à moi bien, m'y pensent que tu apprécies. Oui. Tu apprécies les chansons. Non, parce que c'est quand même un cri du cœur. Hein. C'est pas des chansons comme Pau Mamzelle ou tout ça. C'est pas des chansons, des tubes ou des chansons commerciales. Mais c'est la chanson. En fait, il faut prendre le temps d'écouter. Voilà. Prendre le temps d'écouter, mais surtout, tu as une voix qui transporte et qui transperce l'âme. C'est... Moi, en l'écoutant, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est surtout le fait de ressentir des choses, exprimer l'émotion, c'est ça qui ressort. Hein. Ouais. La voix, on le ressent juste, très très bien. La voix, c'est juste le vecteur. Mais, en même temps, on a la chance, mais reconnaît qu'on a une chance de pouvoir chanter. Mm-hmm. Mais c'est surtout l'émotion que m'y veut essayer de faire passer. Il pense qu'il passe direct. Oui, il pense. Même moi, quand il écoute ce que m'y fait, en fait, pour moi, c'est un médicament, un album. D'accord. C'est comme s'il me sachait mon médecin et lui prescrit à moi un médicament. Et quand il écoute, quand il écoute mon album, il guérit. Il guérit. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Après, la chance que moi, on a, c'est qu'il guérit aussi les autres. C'est du vécu. Parce que je me souviens, une femme, à un moment donné, elle a dit à moi, elle a été brûlée au deuxième degré et grâce aux chansons, on a pu en sortir. Moi, on rend compte. C'est super beau, tu vois, on a point de récompense aussi merveilleuse que ça. Viens, donne-moi tous les prix que vous voulez, mais ça, c'est le meilleur prix, parce que c'est ça, la récompense d'un artiste. Hein.
c'est de pouvoir faire en sorte de faire passer le message que vous voulez faire passer, et puis de faire du bien aux autres, quoi. Ça, c'est l'essentiel pour moi. En plus, il y a 2 titres en anglais sur ton album. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à une de mes meilleures amies, Rachel, Rachel Sartre, qu'il connaît depuis très longtemps. Elle est artiste aussi, mais dans artiste, un autre domaine. Voilà, artiste, peintre, elle écrit aussi, hein, elle écrit. Photographe, c'est elle d'ailleurs qui a fait la photo de cet album-là. Et elle a même fait un tableau. Ah, ça, je peux le montrer aussi. Elle, a fait un tableau. Ça, c'est un peu. Ouh là, Je vais le déplier. Ouais. Rien n'est interdit à Créole FM. Hein. Et Télécréole également. Et Télécréole aussi. Alors, c'est un tableau, voilà, qu'elle a pu. Ah ouais. D'accord. Ah oui. Qu'elle a fait, et puis nous a mis le tableau sur la jaquette de l'album, quoi. Et derrière, on a les paroles. Voilà. Donc, elle a contribué vraiment à faire en sorte que cet album, voilà, il y en a cette qualité-là. En tout cas, elle est douée dans la peinture, ça se voit, ça se sent. Elle est super douée. Elle a toujours été douée en peinture. Depuis très, très longtemps. Et puis, à titre personnel, voilà, elle a pu apporte à moi des choses, quoi, qu'on m'ait besoin. D'accord. À titre personnel, parce que bon, vous connaissez, dans la vie, on n'est pas toujours en forme, on n'est pas toujours bien, et puis ben, elle était là au bon moment, en fait. Je pense que pour elle aussi, à un moment donné, moi, t'es sûrement là au bon moment. Mais c'est fait pour ça, les amis aussi. Voilà, non voilà. Et c'est vraiment une amitié inconditionnelle. Et des fois, on n'y voit pas nous pendant un mois ou 2 mois, mais l'amitié est toujours là. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, l'amitié est toujours là. Mmh. Et elle était prof d'anglais. D'accord. Et donc, ben, c'est elle qui a. Voilà. D'accord. C'est elle qui a eu la possibilité, en quelque sorte, d'écrire ses chansons en anglais. Et ben, c'est vrai que m'y voulait chanter en anglais pour faire l'expérience. C'est juste pour faire une expérience. C'est pas pour faire une carrière. C'était juste pour faire une expérience. Et voilà. C'est un petit peu jazzy, me semble, non ? Oui, un peu jazzy, oui. Oui, c'est un peu jazzy, oui. C'est un autre style de Dominique Barré, ça. Ouais, c'est un autre style, oui. Exactement. Alors, parce que là, il y a eu un petit bug tout à l'heure au niveau de la télé. Donc, Mitsa a précisé que Laurent Carne va diffuser aux alentours de 21h30, puisque comme Dominique, il est attendu sur un autre concert, donc on aura le temps de diffuser juste après. Voilà, parce que nous aimons bien aussi écouter ces musiques. Mais avant... Oui. Est-ce que tu connais le face-à-face ? Ah oui, moi je connais le face-à-face, mais Dominique peut-être pas. Ah non ! Non. Non, je sais pas. Les dents, c'est les fesses, c'est les bras, c'est tout ce qu'on veut. Non, elle est complètement décontractée. Super. Aucun a priori, aucune appréhension. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Oui. En plus, Daniel est super gentil, il pose des super gentilles questions. Ah oui. Allez, envoyez. Donc, je vous laisse entre hommes. Allez, c'est parti. Allez, 10 questions que Missa pose. Il faut répondre du tac au tac. Devant ? Oh là là. Moi, pas trop fort pour le tac au tac, parce que moi, des fois, on a besoin de réfléchir. Très impulsif. Justement, il faut répondre du tac au tac. Alors, quel mot on a du mal à prononcer jusqu'à maintenant, Dominique ? Oh là là. Là, comme ça, vous voyez, moi, très. Par exemple. Non, mais je ne vois pas. Joker. C'est quoi Irona ou inconsolable ? Inconsolable, le fait de voir des enfants pleurer, des enfants souffrir. Ça, pour moi, elle est inacceptable et inconsolable. Là, moi, là-dessus, moi, elle est inconsolable. Vous l'avez ? Rapide. Oui, mais là où pose moi. Non, mais là où on pose la question à un papa, qu'il est investi, qu'il est aimant avec ses enfants, sûrement. Donc, c'est un papa poule ? Papa gâteau ? Papoule, gâteau. Non, pense pas. Mais c'est un papa qui ferait prend tout, les choses à cœur. Qui ferait tout pour ses enfants. Voilà, c'est normal, un peu comme tous les parents, je pense. Si moi, les biens, c'est parce que là, mes enfants, les biens, m'y connaissent, elle est bien là. Ah bah, tant mieux. Alors, quand cela finit, fait le plus fou de notre vie ? Le plus fou, mon Dieu. Ah, le plus fou, c'était. Le saut en chute libre. Pas en chute libre, non. Élastique. Non. Le saut en chute libre. À 4000 mètres d'altitude, à Pierrefonds, là-bas, avec le RP IMA. En 2008, m'a eu l'occasion de faire un baptême, saut en chute libre. Oh, c'est ouf, exceptionnel. Et heureusement qu'on est encore là. Ah non, mais on était en tandem. Hein. On avait un moniteur avec moi. Mais la sensation, quand vous sautez.
dans le vide comme ça, elle est montée à 250 km/h pendant 30 secondes. Et c'était chouette. Ah oui, mais moi j'avais envie de refaire, mais après quand on réfléchit, non, viens. Non, on veut mieux pas. André Civil a eu une petite peur là, non ? Non, mais moi et le vide, c'est deux. Mais c'est pas une question de vide, hein. C'est que là le bogey, allons sauter. Le temps Luigi saute, là, au fin, arrive dans le vide. D'accord. Et ce qui est super, c'est que c'est pas la notion de vide en fait. Comme on est à 250 km/h, on a l'impression qu'on a de la matière dessous vous. Et au gars, guide à tous les exceptionnels, c'est pas la notion de vide, quoi. Non, mais tu tombes toujours. Oui, mais on n'a point l'impression de tomber, c'est ça l'exceptionnel, c'est ça l'extraordinaire. Non, mais je ne ferai pas quand même, Dominique. Non, mais c'est sûr. Très peu pour moi. En fait, si vous voulez faire, il ne faut pas vous poser d'autres questions. Si vous posez d'autres questions, laisse tomber. D'accord. Rentre pas dans l'avion. Voilà. C'est vie. Oui. Prochain coup, nous fait le ça. Allez, troisième question, allez, envoyez. Alors, quelle est la chanson que tu as en tête actuellement? Ah bah allez, une chanson de Stevie Wonder, elle annule comme ça dans ma tête. I just called to say I love you. Vous avez fait un petit live pour nous là? Oh, là. Oh cool. Ah, oui, un petit coup piano. I just called to say I love you. I just called to say how much I care, I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Ooh, ah, ben ça, m'y écouter comme moi j'avais 20 ans. Hein, donc c'est l'un de vos. Ouais, c'est ma Bible, c'est mon chanteur. Moi, les fans de Stevie Wonder, quoi, depuis 16 ans, depuis l'âge de 16 ans. Après, comme ils ont fait un duel avec Dominique Barou, on veut pas la suivre. Ils sont super bien. Non. Allez, prochaine question sur la clé de l'hôtel Floralis, Cosso Ferreo, Dominique. Oh bien, m'y inviterai tous mes amis à faire une fête, voilà, aussi simplement que ça, le plus simplement du monde, et surtout m'y inviterai mes musiciens, qu'on s'en installe une scène juste dessus la piscine. Et là, on y fait un spectacle jusqu'au matin. En fait, vu la vue là, super bien. Ah oui, c'est pour ça. Ah, c'est sûr. Là, pose-moi de questions comme ça parce qu'ils m'y répondent. Prochaine question. Quel caractère voudrais-je changer? Dans la vie, en fait, moi, j'étais trop timide, quoi. M'y osais pas. Aujourd'hui, maintenant, moi, elle est plus à l'aise. Bon, ben, avec l'âge, il vaut mieux, hein, parce que. Il mûrit. Et puis voilà, et puis on n'a plus rien à prouver aussi, moi, on comprend là. Oui. Mais quand on est jeune, m'y admire les gens que n'a du bagou, n'a du culot. On a de l'audace. N'a de l'audace, mais m'y admire ces gens-là. Voilà. Et ça, je pense que moi, on n'avait pas assez quand on était jeune. Mais en même temps, il fait ma personnalité, m'y regrette pas, hein, mais. Peut-être qu'on aurait changé le cours, un petit peu le cours de ma vie, quoi, mais. Voilà, sans plus, hein. Allez, prochaine question. Ah, ça j'aime bien, prochaine question. Alors, souhaiter une femme pendant une journée, qu'est-ce que vous feriez où? Moi, on aurait fait un peu comme Mère Teresa. Ouais. Voilà, de faire du bien aux gens. Moi, m'y admire Mère Teresa. Voilà, aussi simplement que ça. Pour moi, c'est une de mes références. Ouais. En amour. Vous préférez la vérité qui fait mal ou sinon le mensonge qui console? La tête qu'on l'a fait, Dominique. En amour, vous connaissez, des fois la vérité il faut pas dire et le mensonge il faut pas trop non plus, mais il faut les deux. On peut pas vivre. On va dire que pas toute vérité est bonne à dire. Voilà, on peut pas vivre uniquement en disant la vérité, et on peut pas vivre qu'avec des mensonges. Parce qu'à un moment donné, si vous avez trop de mensonges, à un moment donné, vous faites attrape à vous. Ah oui. Voilà. Et il faut, ben, en fait, dans la vie, c'est le mot clé, c'est l'équilibre. L'équilibre. Allez, deux dernières questions. Ton petit coin de paradis. Mon petit coin de paradis, ben, c'est plutôt Grand Anse, mais il y en a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, il y a trop de monde, mais ça n'a plus le dimanche, moi, jamais. Moi, il a la chance d'avoir pu bénéficier du côté sauvage de Grand Anse comme elle était jeune, Marmaille. Et ça, il reste toujours mon petit coin de paradis. La personne célèbre que vous aimeriez rencontrer? Alors, la personne célèbre, bon, ben, Stevie Wonder, voilà. C'est vraiment une personne qui aimerait
rencontrer, mais pas forcément en titre personnel, mais au moins voir un concert de lui, quoi. Au moins voir un concert de lui. Ouais. Il n'a pas si longtemps où l'un camarade l'a vu Steve Wonder, non, la tire photo tout avec. Mais il rappelle plus. Un chanteur, c'est non, ça non, 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 un musicien. Un musicien? Ah oui. Ah oui, Alain Téchère. Mm. Ah, je sais pas s'il a eu Stevie Wonder. Si, 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 il a vu Stevie Wonder. Ah ben dis donc, il ne connaissait il pas. Il n'y a pas Diao? Non, il n'y a pas Diao. Ah d'accord, ben il est potent. Non, mais ça va, les miroirs, il n'y a pas de main. C'est son fils d'actualité, il voit ça. Il n'y a pas de main. Voilà. Donc, chose à dire que Sylvie aime bien occuper. Bon, en tout cas, Sylvie, Bilesao entre... En même temps, moi, l'animatrice, donc il faut bien mis ça fouiller. Bah, on a raison, on a raison. Bien raison. Merci en tout cas, Dominique, pour le face-à-face, on a bien répondu. Ouais, ça va, moi, bien en sortant, moi, quand même. Oui. Ah oui, mais Miwakuna a le punch, donc on est obligé d'avoir un petit peu de punch, il m'a peu de mal faire. Ah non, il faut pas avoir peur. Non, mais moi, elle n'est pas intimidée à ce point-là, hein. Non, il faut pas, hein, surtout pas. Hein. Elle est simple. Non, mais je vois ça, c'est très bien d'ailleurs, c'est flatteur. Dominique, je rebondis sur le fait que tu dises que Stevie Wonder, c'est ta bible. Oui, c'est. Tu as d'autres références à part ça? Oui, bien sûr. Bah, parce que je veux dire, pour te nourrir de ta musique, pour t'imprégner de ton style et pour trouver ta voix dans la chanson, dans la musique, tu as. Il n'y a pas eu que Stevie Wonder. Non, on a commencé à prendre des cours de piano, on avait 12 ans. Oui, oui. Donc on a fait 10 ans de cours de piano, on a fait du classique et un peu de jazz, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à apprendre les bases bases harmoniques, les bases mélodiques, les bases rythmiques. Et puis on a écouté beaucoup de musique classique surtout. D'accord. Le classique et le jazz, pour moi c'est mes deux références, si vous voulez, d'un point de vue musical. En fait, tout ce qui est lyrique, ça te... Bah oui, tout ce qui est lyrique, ouais. le classique et le jazz, bon, il y a du rythme dans ces deux domaines-là, et c'est vrai que... C'est des musiques à part. Ouais, c'est des musiques à part. Ouais. Mais c'est des musiques tellement riches, oui, qu'à force d'écouter, on retient quelque chose, il imprime dans la tête, et parfois, ben, on retranscrit à autre façon. D'accord. Mais je pense que moi, mes chansons, mes musiques, elle est beaucoup inspirée de la musique classique, principalement de la musique classique. Ouais. D'accord. Ouais. Et mis à part ça, un auteur, un musicien? Si, un musicien, bon, ben, par exemple, un guitariste comme George Benson, qu'on a découvert quand on était gamin, on avait 18-19 ans, et puis on n'a pas arrêté d'écouter. Puis un chanteur comme de l'époque, des années 80, que m'y écoutait en boucle. Et puis bien sûr, moi, t'es fan de Michael Jackson. Ah. Ouais, moi t'es vraiment fan, m'y acheter ses livres tous les mois. Ah, ouais. Ah bon, à ce point-là? Ah oui, vraiment fan de Michael Jackson. Un fan de chez fan, quoi, ouais, comme un peu les posters, tout ça dans ma chambre. Oui, c'est ça. Alors peut-être pas les posters, non, parce que non, on m'y pense pas, mais fan de Michael Jackson, oui, j'ai écouté beaucoup. Et vous chante quoi de Michael Jackson? Ah non, non, Michael Jackson, non, il n'y ose pas chanter Michael Jackson. Ah bon? Non, non, parce qu'il est trop compliqué. D'accord. C'est un chanteur très particulier, donc oui, c'est les chansons qu'on chante que par lui ou par des artistes, mais vraiment avec des voix exceptionnelles, quoi. Non, Michael Jackson, c'est... Parce qu'on estime que de voix n'est pas exceptionnelle. Non, non, c'est pas ça, c'est que... Non, mais il trouve que sa musique, ses inspirations, elle est tellement haut perché que... C'est risqué que, ouais, de s'y ouais, en tirer. Ouais, 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 c'est pas... Je comprends. Et mis à part ça, je sais que bientôt, tu as des concerts. Oui. Entre autres, le 13 mai. Oui, le 13 mai au Théâtre de Champfleury, oui. Et ouais, ce sera avec les Solpack, c'est ça? Voilà, c'est ça, bien sûr. Là, c'est un concert en live avec les musiciens, mes musiciens habituels. D'ailleurs, les Solpack, c'est un groupe que c'est moi la composé, tu vois, la mis en place. Hein, avec des amis, ça? Ouais, ouais, des amis, Alain Téchère, Bob Téchère, François Legros, Guillaume Legras. Et puis, on a mis ça en place depuis 1998, hein, tourne ensemble. Ah, quand même. Ah, depuis 1998. C'est... Et après, ben, l'avantage, c'est que nous avons fait tellement de concerts que ça a été appelé de part et d'autre avec d'autres artistes. Et ouais, puis voilà, ça a formé le groupe Les Solpack. Et même à la télé. Oui, bien sûr, elle fait beaucoup d'émissions de télévision. Et c'est à partir de là que vous avez formé le groupe des Solpack et bon, vous avez appris cette particulier, donc, en quelque sorte. Beaucoup plus facile de faire un concert live avec ces musiciens-là.
Non, pas forcément. C'est vrai que moi, elle est beaucoup en confiance avec Zod. Parce qu'ils travaillent depuis toujours, depuis mes premières scènes, ils travaillent ensemble. Maintenant, il arrive à moi aussi de faire des concerts avec d'autres musiciens, que ce soit à l'île Maurice, à La Réunion, ou même en Australie. Moi, on a travaillé avec des musiciens qui des résidents australiens et qui accompagnaient à moi. Donc, mais c'est vrai que les Soul Park, bon, voilà, c'est un groupe. Là, mais ça va, franchement, on est tranquille, quoi, on est confiant. Et deux pieds dans les chaussures, posé. Et il n'y aura pas que les musiciens, il y aura deux choristes. Ah oui, bien sûr. Alors là, c'est vrai que les Soul Park, c'est principalement des musiciens. Et puis moi, j'ai la chance, sur ma nouvelle chanson, d'avoir pu contacter trois choristes. Béné Maillot, Clarisse Maillot et Flora Pasquet. Et donc Flora et Clarisse sera sur scène. Il me semble qu'on a déjà fait des concerts avec toi. Oui, bien sûr. Flora, Béné et Clarisse, oui, c'était mes premiers concerts, c'était avec elle. Ça s'est fait automatiquement. Les Soul Park étaient plutôt. Enfin, Alain Técher et Clarisse, Flora, tout ça, ils faisaient partie d'une famille. D'accord. Tu vois, et nous a commencé ensemble. Et puis après, la vie a fait que. Et maintenant, ils retrouvent à nous en tant que choriste, musicien, chanteur et chanteuse. Clarisse a même fait un album à l'époque. Hein, donc, même Flora Pasquet, elle a fait un album. Ouais. Ouais. C'est dommage qu'on... Oui, c'est dommage qu'il n'entend pas, mais il veut pas dire que Zotley donne une super qualité, très, très bonne choriste. En tout cas, quand on écoute tes concerts déjà sur les réseaux, les chœurs, ils sont bons. Ah, c'est sûr. On a la chance de pouvoir avoir des personnes comme ça de qualité pour assurer des prestations magnifiques. Quoi. Du coup, on va rester que sur un concert de Sandy ? Non, pas du tout. Là, c'est mon premier concert. Après, on a un concert à Petite-Île, au Fangourin, dans la salle de Petite-Île, une magnifique salle. Et puis les temps salés aussi le 30 juin. Donc le 24 juin à Petite-Île, le 30 juin les temps salés. On enchaîne là. Voilà. Et puis au Tampon, c'est le 9 septembre. D'accord. Théâtre du Tampon. Voilà. Luc Donat. Ouais, Théâtre Luc Donat le 9 septembre. Ah, cool. C'est plus proche de chez moi ça. Ben voilà. On va dire. Il n'y aura pas besoin de. Par contre, Saint-Denis est beaucoup plus proche pour Dani. Donc prends des billets s'il te plaît. Ou autre famille, maman, papa, frère, soeur. Les complets, pas complets ? Aucune idée. Et en fait, moi, il est un peu superstitieux, mais il ne veut pas savoir. Okay. Il ne veut pas savoir s'il est rempli ou pas. Moi, je n'en douterai pas, mais après. Tu as fini d'assister à un concert de Dominique Barré ? Attends de réfléchir. Non, mais je réfléchis. Oui. C'était où ? À la Plaine des Palmistes. Quelle dans ah la bon fraîcheur. Ah, c'est vrai que moi j'ai fait un concert à la Plaine des Palmistes l'année dernière. Alors. Effectivement. Il n'y avait pas violon, mais moi ma violine. D'accord. Ouais, effectivement, oui. Ouais. Un petit concert j'étais à la Plaine des Palmistes, dans le sympathique. Fauteuil et tout, c'était grandiose. Et d'ailleurs, ton ressenti par rapport à ce concert-là ? Ah bah, comme il vient de dire, m'a été dans mon fauteuil, scotché, oui, grandiose. Donc on a eu des moments d'émotion. Personnellement, moi, je connaissais Dominique Barré déjà à la base. Mais ça dit quelque chose, mais au départ, je ne m'aimais pas où. il peut. Mais moi aussi, quand on a un a priori sur une personne, mais après, c'est quand on connaît la personne, après vous dites, moi, trop. Non, c'est même pas la personne. En fait, c'est les premières télé qu'on a fait, la gasse à moi. Ah bon, d'accord. Oui, la gasse à moi, mais que pas si c'était la façon que t'es filmé, mais que pas si c'était la façon. On n'y connaît pas. Mais jamais trouvé la réponse, en fait. Mm-hmm. Et peut-être que c'était le côté timide, parce que moi, comment t'es jeune, t'es un petit peu. Oulala. Oui, mais moi, c'est. Voilà, et peut-être le côté timide, il me dit, lui agace à moi dans le sens, peut-être, tu vois, quand. Peut-être que m'y voulait faire le timide et moi, j'étais pas. Et non. Et du coup, et en fait, m'a appris à connaître Rao quand on l'a chanté avec Maggie Payette.
Oui, d'accord. Oui. Là, la voix l'interpelle à moi, en fait. C'est haute voix l'interpelle à moi. Et c'est de Maggie, d'ailleurs. Et après, stand-by. Et qu'on la sorte l'album pour Manzel et tout ça, m'y écouter parce que m'y entendais souvent à la radio. Ben oui, ça, mais un jour, m'a pris le temps de rester cette chanson et au final, m'a écouté les paroles. Et non seulement m'a écouté les paroles, mais dans de voix, m'a essayé de capter ce que m'y arrivait pas à capter par rapport à avant. Oui, et oui, tout d'accord. De suite, là, une connexion en fait. Ben, c'est ça, c'est le reflet de la personnalité. Hein. Donc c'est vrai que à partir de là, m'a commencé à intéresser à moi à haute musique et surtout au texte. Oui, ah, parce qu'elle est quand même assez oui. Pointilleuse sur le texte. Et un jour, m'a regardé et ma fille. Voilà, donc m'a connu Dominique Barré comme ça, et m'a apprécié Dominique Barré comme ça. Et en regardant un live sur YouTube, et ben là, m'a dit, tu vois, petite fille, tu t'es trompée la première fois que tu l'as regardée. Oui, ben ça arrive à tout le monde, moi aussi, il arrive à moi d'avoir un a priori, voilà, sur une personne, et alors que... Non, c'était pas un préjugé du tout, hein, mais j'arrivais vraiment pas à... Mais détourner le regard automatiquement. Ah oui, ben écoute. Ou devait avoir trop de lumière, peut-être. Peut-être. Voilà. Il m'a passé. Peut-être. Et du coup, voilà. C'est intéressant de savoir ça. Non, mais les. Voilà. Et puis, à travers tout ça, après, ben, l'ami connu à lui, c'est quelqu'un de très, très abordable, qu'il est sympa et que au premier abord lui rejette c'est pas du style que va rejette à haut. Si vous voulez une photo, lui prend sa photo. Si vous voulez dire bonjour, lui dire bonjour. Mais c'est comme ça que je ressens les choses maintenant, quoi. Ah oui, voilà, toujours été comme ça. Et peut-être que dans l'intimité, vous avez l'impression, peut-être aussi les gens ont l'impression que vous les oui. Les froids, ouais, inaccessible. Ouais. Oui, mais ça, c'est et c'est pas le cas. Et il me dit haut et fort, c'est pas le cas. Lui, il est pas inaccessible. C'est quelqu'un qui paraît, c'est parce qu'il est très concentré sur ce que lui fait, sur ce que lui pense. À se demander si c'est l'interview de Sylvie ou si c'est l'interview de Dominique. Non, mais il m'attrape des habits Dominique, en fait. Il m'attrape, essaye de. Non, mais ça, il faut comprendre Banna que Banna, lui, il est accessible, franchement. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais de toute façon, lorsque voilà, connu Sylvie, le premier. Non, la sortie, c'est Dominique Barré. D'accord. Ah ben ouais. Pour l'interview. Ouais. Voilà. Comme quoi. C'est vrai. Hein. Parce que m'avait besoin de connaître à lui. Mais en fait, m'avait besoin de connaître le personnage, mais en même temps, m'avait besoin de faire la fusion de mon ressenti d'avant, de maintenant, et ben. C'est pas l'interview, faut faire le face à face. Non, j'aurais pas de questions pour Dominique, je serais trop. Alors, moi-même, une petite question à Premier Lassao, parce que la vie parle de Pou Manzel. Oui. N'avait aussi des parodies à certaines époques, oui, justement. Bien sûr. Et comment l'a senti Ao par rapport à ça? Ah, bah, moi, t'es complètement mort de rire. Vous rendez compte, un personnage comme Jardino, il écrit une parodie sur mes chansons. Ça veut dire que lui aime mes chansons, c'est tout simplement ça. Et moi, t'es éclaté de rire, quoi. Ah non, mais au contraire, il faut. Hein. Ouais, bah, en même temps, ça veut dire que ça fonctionne. Hein. Exactement. Donc, si un beau comme Thierry Jardineau, il chante une chanson, il me parodie, c'est qu'il aime la chanson. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, on croit que l'humour cadre la chanson, mais il aime. Enfin, oui. Donc, voilà. On était en train de parler de tes concerts. Donc, là, tu me dis, Champfleury. Oui, Champfleury, petite île, étang salé, oui. Terre des sables, et puis Tampon. Tampon, Luc Donna, ouais. Ok. Bon, ben, je serai au moins à l'un des rendez-vous. Promis, juré, craché. Bon. Voilà. On va parler aussi de ton nouveau titre. Oui, ben, voilà, l'inspiration est venue pas longtemps, et ouais, besoin, enfin, c'est mon producteur, hein, elle a dit à moi que, ouais, ça serait bien qu'on me sorte un titre, quoi. Oui. Et voilà, ben, elle est partie enregistrée, masterisée en métropole, enregistrée chez des amis, Alain Téchet, Manu Cadet, on a enregistré un petit peu partout à droite à gauche. Mm-hmm. Et puis on a eu l'occasion d'aller en métropole il n'y a pas longtemps pour finaliser, quoi. Finaliser. Et là en ce moment, on lui fait des prises de vue là, pour le clip, ça lui fait un petit montage. Ah, il y a un clip en cours? Ouais, on a un clip en cours là, on a des prises de vue en train d'être faites. Mais voilà, ce sera un petit clip sympathique pour mettre ça sur peut-être YouTube ou sur les réseaux, voilà. Ouais. Le monde maintenant.
Oui, il n'y a pas du moment que ça plaît aux gens, voilà. Je pense qu'ils vont y aller. Hein. En tout cas, moi, personnellement, la mélodie reste dans ma tête, depuis que moi l'ai entendue. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, il pense que moi, n'est pas la seule. Et ce titre, c'est Merci, c'est ça? Oui, merci, écrit merci. En créole. Ouais, merci. Mais il voulait une chanson en créole et on a eu l'occasion de rencontrer un parolier qui s'appelle Dominique Carrère. Et voilà, on l'a rencontré une fois, on l'a discuté un petit peu, on l'a parlé de ma vie, de mes ressentis, de ce que m'y voudrait. Et après, il a envoyé moi un texte. Et tout de suite, on a capté le texte. Et puis, on la laisse mûrir en quelque sorte pendant quelques mois. Mm-hmm. Et puis voilà, au mois de décembre, comme on a voulu composer, ben là, on l'a adapté un petit peu le texte à ma façon. D'accord, on l'a pas laissé le texte brut. Non, le texte n'a pas été. C'est pas le texte brut, mais en tout cas, l'âme du texte, elle est là. Mm-hmm. Et puis, on a changé quelques petites articulations, d'accord. Quelques petits mots pour. Pour la rime Non, c'est simplement quelques petits mots pour. Pour faire correspondre la chanson à ma personnalité. Mm. Parce que. Cause créole, m'aime bien cause créole, mais pas forcément le créole des hauts ou le créole des bas, m'y mélange toutes. D'accord. Moi, m'y mélange toutes. Donc, moi, Jelly, voilà, m'y modifie un petit peu quelques mots, parce que moi, là, besoin de cause toutes les créoles de La Réunion, mais ça pas cause un seul créole. D'accord. Voilà. Et ce petit morceau, on a le droit à un petit tapis su ou pas? Oui. Éclaircis mon demain, mette en lumière si mon destin. Moi n'avais 15 ans premier coup, moi là où mon cœur devant vous. Le jour là, moi là compris que ça tranche ma mon vie. Mette en fait clair si mon demain, mette en lumière si mon destin. Malgré malheur, malgré t'engage, ou même mon plus joli voyage, malgré coup de vent, malgré la pluie, ou même mis au soleil mon vie, m'y veux juste dire ou merci. Bon, elle n'est pas encore bien au point pour moi, mais ça va venir, le 13 mai nous sera prêt. M'y pense aussi qu'on sera prêt, mais déjà là, pour moi, c'est un petit concert. J'ai l'impression d'être toute seule là, toute seule, mais alors là, il resterait longtemps. Si vous resterez longtemps, il resterait longtemps aussi. Hein. À écoute à haut, en tout cas. Ce texte, oui. Dominique. A été bien parti, hein? Hein? Non, mais. Non, mais voilà, en fait, il fait l'intro. Bon, d'accord, ok. Petit fond musical. Voilà, ah, ben, allez voir alors. Comme on l'a dit, Mimri reste longtemps dans sa musique, mais ouais. Mais c'est vrai. Ce texte, quand moi m'écoute, mais pourrait dire que ou dire moi merci. Oui, c'est ça. C'est à moi qu'on dit merci ou à. En fait, le texte était basé. Les premières paroles, c'était mi veux dire zot merci. D'accord. Ah oui. Donc c'était pour ton public à la base. Oui, c'était pour mon public à la base. Oui, d'accord. Bien sûr. Mais il voulait pas faire en sorte que les gens y voient tout de suite que c'est pour mon public. Donc, on a appelé le parolier, on a dit écoute, au lieu de dire mi veut dire zot merci, il préfère dire mi veut dire ou merci. En fait, tu dis merci à chaque personne. À la manière dont la personne veut l'apprendre. Voilà. Voilà. C'est pas un merci. Après, quand on écoute, vous direz que c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Ben, vu depuis que tu chantes, ils sont avec toi. Oui, bien sûr. Ça fait quand même une longue histoire d'amour. Hein. C'est sûr. Ben oui, ben c'est ça. C'est l'amour pour mon public. Tout l'amour que je te la donne à moi. Et c'est peut-être ça qui inspire à vous, qui donne la force. Oui. En fait, il ne m'y rendait pas moins compte, en fait.
on avait du mal à rendre à moins compte que c'était le public qui portait à haut. Non, que les gens n'avaient beaucoup d'admiration pour mes chansons, quoi. D'accord. Et vous la découvrez ça quand? Bah, il a fallu à moi du temps pour découvrir et pour comprendre, pour peut-être même accepter. Oui. Parce que je me souviens, mon premier concert au théâtre de Saint-Gilles en 2005, là, elle m'a dit, moi, écoute, m'y invite pas personne comme artiste, comme chanteur, mais m'y fais mon concert. Si on a 100 personnes, ben au moins les 100 personnes n'ont du pouvoir, moi. Mm-hmm. Et puis, ça t'est 1200, quoi. Oui, et debout. Et là, franchement, moi, même posez-moi la question, mais quoi ça t'y vient faire là, quoi? Quoi ça t'y vient faire ici? Et à cette époque, moi, t'es complètement dans un manque de confiance, mais atroce. Parce qu'il n'y avait pas confiance en vous. Du tout, à cette époque-là. Mais ça, il voit pas de l'extérieur, de l'extérieur, on voit quelqu'un avec beaucoup d'assurance, beaucoup de... Mais non. Et peut-être parce que quand tu chantes, en fait, tu deviens l'artiste, voilà, quand et tu oublies ta timidité, tu oublies ta peur, ton stress. Exactement, mais m'y rentre dans mon élément, donc forcément, c'est comme si m'y met à moi une bulle. De transformer. M'y met à moi une bulle sur, sur mon vrai, sur ma personnalité, m'y met à moi une bulle. En même temps, moi l'ai moi-même, mais avec l'avantage d'être dans un contexte musical, dans un élément musical qui fait que toute la timidité, tout ce manque de confiance, bah, il disparaît. Oui. Nous, ça va du côté des messages arrivés au 0692 178 62, également sur le Facebook Live. Titi, Jaja qui dit salut La Réunion, bonsoir monsieur Dominique Barry. Bonsoir. Valérie qui dit petit coucou à des Landes. Oh, également. Landes, j'aime bien le pays des Landes. Et côté des messages, donc bonsoir Dani, c'est Maria, un gros big up pour Dominique Barré, connu ta musique, les Gaillards, c'est un beau lagpin, big up Télécréole. Super, big up à tout le monde. Voilà les petits messages. Ah bon, mais c'est bon. Super. Moi aussi, me fais un big up alors. Big up Dominique, merci d'être venu. Big up. Alors, pour les personnes qui appellent sur le 06 92 178 102, il faut basculer sur le 06 193 488 996 pour le standard, les amis. Voilà, si ça, tu veux discuter avec Dominique pour ce soir, ou passer un petit big up, un petit bonsoir. Tu peux discuter avec Dominique, oui. Hein, ça, tu peux, voilà. Toi, tu peux. Ah oui, il peut. Voilà, il peut, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, super. Donc 06 93 488 996. Ouais. Donc, Dominique, mis à part merci, etc., je peux la chanter tes chansons. Ah oui, oui, bien sûr, ben, ça, elle est incontournable. Vous connaissez quelle chanson miem aussi? Oui, laquelle? Qui est un petit peu cadençant. Chanter pour la petite fée. Ah oui. Ça c'est la chanson de mon quatrième album. Oui, ça s'appelle Miem encore. Ouais, c'est ça. Chanter pour la petite fée qui va et vient dans mon idée sans jamais rencontrer mon regard accroché à sa beauté. La belle est pareille à un soleil qui brûle et qui aveugle à moi. La nuit en plein sommeil, tout d'un coup m'y réveille, m'y rêve à elle. En vérité, dans mon tourment, m'y essaye d'y un petit causement pour faire l'amour. Aimer toujours. Rose à houlin sur mon épaule, repose à houlin, fait de beaux rêves. En a moins fou, si mi velours en tenue d'Ève. J'aime bien la fin. Belle chanson, ça. Mais en fait, il y a beaucoup de, il y en a beaucoup de chansons que j'aime bien à force d'écouter. Et mais ça sera au concert ou pas? Ah ben oui, non, mais ces chansons-là, oui, bien sûr, évidemment. Bon, si il vient au théâtre du Temple, il peut faire ma playlist. Bah fais, essaye. Peut-être que dans la playlist, il fait toutes les chansons. Les vraies playlist. Ben, allez, si tu savais. Ah, si tu savais, non, ça c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, ouais, hein. Ça c'est. Là, il veut être l'ambiance, là. Donc, on a tellement de chansons cadencées que... Alors, comme il pourrait demander à autre chanter, peut-être à l'ombre des palmiers, par exemple. Ah. Ça date, ça. Ah oui.
l'océan. Une île se bronze que tu pars dans ce monde. Vétiver, fleur de canne, ondoyant dans le vent. Bercé par les flots azurés de la mer, sans doute bien à l'aise dans sa tenue d'été. Une île frissonne même durant l'hiver. Sur le sable étalé, des hôtels trois étoilés. Mais elle chante aussi l'espoir et la misère, sous la tôle ondulée, à l'ombre des palmiers. Mais elle chante aussi l'espoir et la misère, sous les tôles rouillées, à l'ombre des palmiers. Quelle douceur. Petit extrait. Hein. Oui. Ouais, mais ça... En tout cas, moi, j'ai frisson là, sur cette chanson-là. Petit beau gars TV, il me dira peut-être. Oui, non, mais c'est vrai, il a fait moins. Ah, bah écoute, c'est vrai, mieux, toi. Bah, écoute son album, tu verras. Moi, je te dis, ma lumière, là... Oui. Ouh là là là. Donc, ça va du côté des messages également pour ce soir, enfin, un message arrivé. Allez, quel Allez. Message. Alors, qui dit bonsoir, j'adore ta voix très puissante et agréable. Il va avec l'homme, mon artiste préféré, c'est vous, monsieur Barry. Bonne soirée à tous. Et c'est signé Jeanne. Ah, merci, super, Jeanne. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, bah, super gentil. Ça veut dire qu'on a du soutien, Dominique. Oui, oui, ben. Bah, c'est vrai que m'y rend moins de plus en plus compte, c'est sûr. Il fait toujours plaisir d'avoir un message comme ça. C'est sûr qu'il doit être. Bon, maintenant qu'on est conscient, hein. Halt. Oui, halt. Standard. D'accord. Allô. Ah. Allô, allô. Alors, là, il faut. Oui, écoute, on nous donne le téléphone. Allô, allô. Alors, bon, si vous n'achetez pas, mais raccroche. Allô, allô. Allô? Ah oui, alors il faut écouter un autre téléphone, s'il te plaît. Alors, c'est qui? Bonsoir, c'est Jean-Aimé Saint-Gilles-Léo. Saint-Gilles-Léo. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ben, Mireille, écoute un morceau de Dominique Barré, s'il te plaît. Ben, là, elle est en direct. Ben, là, elle est en direct. Tiens-moi, quel morceau? Je dis, ok, mais qu'il y a à faire, hein. Oh, ça que les santé pour moi, parce qu'il m'aime bien, il chante bien. Ah ben, ça que m'y veut, alors? Oui. Mais bon alors, m'a fait un petit. Et bonsoir, bonsoir à vous, Daniel et Sylvie. Bonsoir, Jean-Aimé. Oui. Je fais le tour. Oui, c'est bon. Ici, à genoux. C'est bon? Oui. C'est dans l'amour. C'est correct, ça? Ah, bien, ça. Oui. C'est moi ça, hein? Ah oui. Divine beauté, bien-aimée qui passait dans mes rêves. Ah, en plus, m'a dit c'est mon anniversaire, vous voyez. Ah, vous m'avez envoûté, je vous suis yeux fermés. Où allons-nous? Eh bien, joyeux anniversaire, hein, joyeux bientôt. Joyeux anniversaire, hein. Ouais, merci. Merci, merci beaucoup. Merci, Jean-Aimé. Merci. Merci, très très bonne soirée à toi. Bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, si tu veux, fais comme lui d'ailleurs. Donc 0693 488 996. Rends compte, là, il fait une chanson en direct. Non, mais c'est ça qui est merveilleux. Ah oui, ça est merveilleux. Mi vit ça pour la première fois en fait. Ben moi aussi. Ben moi aussi, alors j'avais 203. C'est vrai? Non, mais c'est vrai, c'est la première fois que mi vit ça. Du moins, en direct. Ouais, en direct. Ouais, moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Et c'est là que mi voit l'ampleur, Kounana. Du moins, et ça, il donne une super idée ce soir, parce que m'y pense que dans mon spectacle, m'y pense que ça fait un pot pourri à la carte, tu vois un peu. Bah, les gens, ils lèvent la main et disent, hop, hop. D'accord. Ah, ouais. Ah, c'est pas mal. Pas mal ça. Ouais, ouais, ce serait pas mal du tout, ça. Ouais. Bonne idée. Ah ouais. Ben merci monsieur, hein, c'est pas comment... Jean-Aimé, c'est ça? Jean-Aimé, voilà. Ouais. Bah, okay, en général, on a toujours une petite maclée tendue. Et il dit, oh, bah, tiens, voilà une idée pour vous. Oui, bien sûr. Ah oui, 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 ça, oui. Toujours bonne à prendre. Eh oui. Il faut bien observer les gens en fait. Ouais. Et surtout les écouter. Voilà, les écouter, on a toujours de bonnes idées.
Le truc, c'est bien capter la bonne idée, oui. Et après se l'approprier, comme ça, on fait une chanson avec. C'est sûr. Dominique, dans tes chansons, est-ce que tu as une préférence, mais vraiment une préférence profonde? Dans mes styles de chansons? Non, dans l'une de tes chansons, laquelle tu... Non, difficile. Hein. Difficile? Difficile, mais bon, mamie aime bien les chansons plutôt jazzy, comme aller au piano, quoi. Donc, par exemple, une chanson de Rachel Sartre. Ouais. En fait, elle a composé cette chanson parce que... Elle y partait chercher son pain, quotidiennement. Oui. Et puis elle y voyait un gars un peu SDF, quoi. Et voilà, elle écrit cette chanson pour les gens un petit peu démunis, ouais. Crois pas, moi, la fée exprès. Reste dans le chemin, mamzelle, la vie la fâche avec moi, l'a pris mon destin. Comment continuer fait aller quand où t'y les couleurs, la pierre, où de sabbatique en arrière, il laisse un ou tout seul dans la fraie, dans le malisé. Deux, trois petits mots pour chauffer mon cœur, fais à moins qu'un jour sera l'air. Dans six béton, mi un puis bout, mi tourne en rond, ou à pile bout. Deux, trois petits verres pour tremper mon corps, pour sentir mon malheur et sort. Fais croire à moi qu'un jour sera l'air. Deux, trois petits mots pour chauffer mon cœur. Je pense qu'elle a du cause avec le gars, et le gars a été... Mais pense aussi. Un petit guin soleil sur mon chemin, ou la donne à moi, mettre linge chez moi, mi tes gars, et puis, ou la bien voulu. M'y voudrait bien qu'un jour, bon Dieu, y mette chez moi un bon soulier, qui va mettre à moi dans la lumière, mon larme avec mon chagrin. Se manquer, sera plus amer. Pour chauffer mon cœur, dans six béton, mi un pire bout, mi tourne en rond, ou à pile bout. Deux, trois petits verres pour tremper mon corps, fais croire à moi. Qu'un jour sera l'air, oui, deux, trois petits mots, chauffe mon cœur. Eh ben, bravo Rachel. Ah oui, franchement, cette chanson-là, il adore chanter cette chanson-là. Non, mais en plus, en fait, tout à l'heure, où il est en train de jouer ça, il me semble. Oui, oui. Hein, il a resté dans ma tête. Ah bah oui, c'est sûrement. Bah, ouais, et ouais. Du coup, Mimarachi m'était. La musique là, ça résonne dans ma tête jusqu'à Mickey Pacan. Mais bon. Mais en tout cas, c'est un bel hommage. En fait, c'est cette chanson-là, elle est partie d'une autre chanson que quelqu'un a composée, dont on l'a oublié le nom, mais désolé. Et moi, je tombe amoureux de cette chanson et moi, l'appelle à lui pour voir s'il ne peut pas chanter la chanson. Mm-hmm. Et il a dit à moi non. Ah bon? Oui, il a dit à moi non. Je me dis, bah, t'es frustré? Ouais, mais dis, bah, merci quand même. Donc, moi, t'es un peu désolé, mais me dit, au lieu d'être désolé, attends un instant. Ça, il compose un pareil. Bon, il n'est pas pareil, mais dans le même esprit. Standard. Allez, allô standard. Allô? Oui, allô, bonsoir. 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 Qui ai-je oui, comment vous allez? Ben, ça va ou même? Oui, ça va. Alors, vous connaissez qui? Non, mais il connaît pas c'est qui. Ah, vous connaissez pas c'est qui? Enfin, il me veut dire à Dominique Barré, mais elle allait bien. Merci. Il regarde l'émission à soir, mais après ça allait bien. Merci beaucoup. C'est rien que Dominique Barré qui me regarde l'émission à soir. Hein. Wendy, c'est Wendy. Sylvie aussi, parce que Sylvie
Sylvie est magnifique. Oui, ah, Sylvie est magnifique aussi. Oui, c'est Wendy, notre animatrice. Ah, d'accord. C'est qui Wendy? C'est la crevette. Tu manges crevette à soir? Non, on n'a pas mangé crevette à soir. Voilà, donc Wendy, c'est notre animatrice dans, les, dans l'équipe également. Voilà. Bon, attends, Wendy... parce que oui, vas-y. J'ai le truc en direct là, j'ai fait une petite parodie. Allez, allez. Viens accompagner à vous. Quel, c'est quel morceau? Mais par contre, les vraiment contents, pas en content. Allez, allez. C'est la chanson Soudain-moi, oui. Allez, vas-y. Ah, super. Allez, vas-y. Attends, attends, parce que lui entend mal. Il est bon, allez. Allez, vas-y, chante. C'est midi, oui, pour asseoir. M'y connaît que m'y savoir, m'y jura au moment, la main sur le verre m'y prend l'engagement. Si m'y dit oh oui pour cette nuit, provoque mon foie, m'y sagaine la roulie. Ici même dans le cabinet, m'y connaît mon messapoaké. Voilà. Eh bah dis donc. Bon appétit, hein. Bonne roulis, surtout, Wendy, on a l'intention. Et m'a fait ça en 5 minutes. En c'est regardant nul, Dominique Barré. Et en regardant Dominique Barré. Eh ben, on a une drôle d'inspiration. Non, en regardant. J'espère vous l'a fait à mes yeux. C'est en regardant Dany. Oh. Ah, là, mais comprends mieux. Ben, t'as pas aimé. C'est tout à moi. Ben merci Wendy. Merci en Wendy. En tout cas, là, il y a un duo musique chant avec Dominique Barré et Wendy. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. C'est elle bien. A eu le courage de le faire. Moi, j'aurais pas le courage. Bah oui, bah c'est Wendy. Dominique. Oui. Continue le travail, mais après ça ou bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourtant, il est jeune, hein, mais connu de bonne chose. En même temps, avec ma maman qui écoute aussi tout le temps, mais il est un peu obligé de. Ouais, un peu obligé. Je lui fais de gros bisous, passe gros une bonne soirée, me sers manger. Mais bon, allez, Dani, maman, il y a vite ou demain pour manger un couscous. On va voir. Allez, merci Wendy, on retrouve. Bisous. Bisous, bye bye. Ça va encore. Oui, pas du standard, mais du côté des messages également. Mon cher Dominique, quel plaisir de t'écouter chanter en ce moment de la part d'un ancien collègue de section 13 de l'étang salé. Bien à toi, Jean-Claude L. Yes, merci Jean-Claude. Un autre message arrivé également, donc bonsoir à vous, monsieur Barré, continuez à faire de belles chansons, je vous adore, Marie de Saladie. Magnifique, merci beaucoup Marie. Même dans les siacs. Hein. Ah oui, apprécié. Sylvie, il y a une question pour vous. Est-ce qu'une fée le tour de l'île à genoux? Je fais le tour. Ouais, c'est ça. Des îles à genoux. Pour que l'amour s'éternise entre nous. Après, je. Et si notre histoire, à peine commencée, s'achève en conte de fées, à la lueur d'espoir, en plein cœur du soleil. On a un peu dit embrassons-nous, mais c'est pas ça. C'est embrasons-nous. Et fait chante à moi. Ah, ça c'est bien. Voilà, ouais, c'était ça le duo alors. Ah, bah oui. Ah, voilà, ok. Voilà, la gueule sortie tout seul. Je comprenais pas bien. Rien depuis le début. Ah, bah la vue. Mais tu connais même pas ce deuxième chanson là, Sylvie. C'est quoi? J'ai fait le tour. Quand même. Voilà, ouais. Bon, un petit rendez-vous jeu hein, également pour ce soir. Hein, mais laisse respirer un petit peu parce que 21h16 également. Ouais. Eh oui. Dominique va pas tarder non plus à partir. Oui, c'est parce ça. Parce qu'il a d'autres prestations. Hein. Voilà, donc. Il nous a accordé déjà beaucoup de temps. Non, mais. On n'a pas vu le temps passer. Hein. On ne voit pas, hein. On voit pas. Surtout quand. Surtout, voilà, quand les auditeurs y appellent comme ça, avec beaucoup de spontanéité. C'est chouette. Extraordinaire, ouais. Extraordinaire. Et du coup, franchement, m'y vit l'instant là, comme si elle était ma case. Et si vous étiez tout le temps ma case, ben, on aurait joué tout le temps à ma maison aussi. Ah oui, mon Dieu, ben oui, mon droit que tu vois. Quand même, Sylvie. Hein. Oui, mais je sais. Voilà. Oui, je sais. Alors, qu'on peut proposer à nous, bah, Dominique, avant là, mais chante ta vraie chanson. D'accord. Si vous dites à moi oui pour la vie, une fois seulement, s'il est vrai, il est béni. Seigneur, m'y fait mon serment.
la main sur le cœur, m'y prend l'engagement. Si vous dites moi oui pour la vie, je veux que mon rêve en beauté finit. Ici même en douce enlacée, comme fiancée sous le voile la mariée. Promis, juré, garanti, devant témoin, la mairie, la bague au doigt pour tout le temps. Dans la salle verte embellie, il donne à vous pour la vie, mon nom, si vous dites pas non. Sous la couverte à l'abri, dans nos petits cas agrandis, moi n'a comme pressentiment que petit à petit dans le temps, bel amour va grandir si nous change plus d'avis. Dis-moi oui, dis-moi oui, mes longues envies. Dis-moi oui pour la vie. Oui pour la vie, pour la vie, pour la vie. Toutes tes fans. Oui. Je te dis oui. Ah, merci, merci beaucoup. Il pense que beaucoup d'entre nous doivent dire oui, 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 Dominique nous veut bien, oui, 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 pour la vie, ok. Bah, on continue. L'aventure continue en tout cas. Oui, oui, c'est vrai pour moi. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de. Du moins, on n'a plus l'habitude de t'entendre sur les radios, en live, etc. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir que ce soit nous, ben, disons, on a presque eu l'exclusivité pour ça. Pour parler de ma ouais. tournée, oui. Ouais. C'est la je te remercie, fois. c'est un beau cadeau. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir pour moi. Et j'espère encore et encore que tu vas encore composer, que tu trouveras cette inspiration autour j'espère de toi. Aussi, ben, vu comment c'est parti, c'est bien parti. Il y a eu un stand-by, mais Dominique revient. Et oui, Dominique... on avait sûrement besoin de prendre du recul face à tout ça, face à cette quantité d'amour. Et puis, bon, il faut savoir recevoir tout cet amour-là. Hein. Voilà, et puis aussi, il n'est pas évident. Elle a le revers aussi de la médaille. Donc, ça, les gens y voient pas, mais moi, pas trop envie d'en parler non plus. Mais voilà, besoin de prendre du recul. Non, et mais là, aujourd'hui, il revient avec. Beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup moins de pollution autour de moi. Et ça sera que du bonheur, quoi. Là, c'est d'accord. Vraiment le spectacle, ça sera que du bonheur. Bon, ben moi, j'ai hâte d'y être. Et c'est encore loin pour moi, par contre, en septembre. Septembre. Mais bon, là, le prochain, là, c'est le 13 mai au Théâtre de Champs. Oui, voilà. Ensuite, c'est à Petite-Île, le 24 juin. Le 30 juin à l'étang salé et le 9 septembre au Tampon. Okay, il m'a trop. Ah, ben là, bon, on l'a retenu. Ah oui, c'est bien, on a bonne mémoire. Ça fait de la pub pour moi, là. Ah oui, mais non, mais c'est clair. Mais vous connaissez, moi, les abonnés, ah, d'accord. Ah oui, mais ils partagent et tout. Hein. Si, ils m'y font de la pub. Gentil. Mais il n'y a pas que pour toi comme artiste que je le fais, mais je le fais pour les artistes que. Voilà, que je suis en cœur-cœur. Ouais. Tu vois, c'est que j'aime bien. Cœur-cœur, c'est quoi ça, cœur-cœur? Qui imprègne, qui est plus proche de ma personnalité, de mon petit monde musical, etc. Normalement, c'est pas où il pose des questions. Hein. Et moi, c'est pas mon interview, ceci dit. Non, bah, bien, de temps en temps, fouiner un petit peu, quoi. Ouais, cœur, ouais, tu vois, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Okay. Bon. Est-ce que tu fais partie de cœur, moi? Bah, oui, mais quand même. Ah, il hésite un petit peu. Il hésite parce que justement, il ne veut pas dire la vérité. Ouais, c'est ça. Mais ça se voit dans son regard. Miri jeune, en fait. Oui. Ça veut dire non. Non, non, c'est pas vrai. Non. Miem zot tout. Voilà. Ouais, comme crête d'or, miem zot tout. Dominique, donc, me disait, m'espère que vraiment les gens vont participer à vos concerts, oui. Que va continuer de soutenir Rao et surtout, continuer de faire vivre à nous. Merci. Et de faire vivre de musique aussi et d'être aussi bien entouré musicalement. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est important, c'est une chance.
Voilà. Ouais. Et puis... bien entouré. Voilà, jamais eu aucun problème avec mes musiciens. Aucun, mais quand on dit aucun, parce que nous avons toujours travaillé en toute confiance. Quoi. En mettant les égos de côté, en toute confiance. C'est toujours un bonheur. En tout cas, mes remerciements à Zot que Zot les entoure à haut et Zot soutient haut et que Zot les soudé. Oui. Et parce que vous ne serez pas le chanteur que vous serez aujourd'hui, malgré tout, mais malgré cette belle voix. Non, on n'aurait pas eu ce plaisir de la scène si t'es pas Zot. Franchement, non. Et ma fille d'entendre Zot jouer, franchement. Non. Excellent. Ouais. Et merci pour ces moments musicaux. Oui, merci. Et merci pour les auditeurs qui ont pu te. Parler. Oui, c'est gentil. C'est gentil à eux d'avoir appelé. Et qui ont été derrière leur écran, derrière leur radio pour t'écouter. Et avant de partir, juste un petit son comme ça. Qu'est-ce que Kusami peut faire ? Éclair d'amour. Ouh là là, ça va être dur ça. Éclair d'amour, amour éclair. Dans mon existence éphémère. J'ai adoré tant d'être cher dans mes rêves et mes rêveries. Éclair d'amour, amour éclair. Dans mon existence, si je pouvais ma vie refaire, j'aimerais bien que l'être cher me fasse un ange au paradis. Me fasse un ange au paradis. Voilà, vous retrouverez Dominique Barré le 13 mai au théâtre Champfleury, le 24 juin à la Petite Île. Vous retrouverez aussi le 30 juin au théâtre des Sables et le 9 septembre au théâtre Luc Donat. Prenez vos tickets, prenez vos billets, prenez tout ce que vous voulez, mais sauf Dominique, bien sûr, parce qu'il faudra qu'il chante sur scène. Je te fais de gros bisous, j'ose. Merci. J'ose. Merci. Je peux. Attends. Oui, vas-y. Pause. Vas-y. Ah, je te fais un gros bisou. Ah, oui, bien sûr. Cœur, Dominique. Merci. Alors, juste, Dominique, avant où ça va, est-ce qu'on a des remerciements à faire pour ce soir ? Ben, m'y remercie tous les gens déjà que l'a appelé, m'y remercie Azot d'avoir invité à moi. Et voilà, c'était un bonheur pour moi de partager ce moment unique, on va dire, parce que c'est la première fois que m'y chante avec des auditeurs en direct. Quoi. Elle est trop formidable. Ben, j'espère que vous pourrez dire à vos amis artistes que ben, nous, on est capables de faire des choses pareilles. Ouais. Et que vous allez les bienvenus. D'accord. Après, eh ben, m'y manquera pas. Dis Sylvie. Voilà, Sylvie. On peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux également. Oui, bah, Dominique Barré officiel, Instagram aussi, et puis Facebook, ouais, aussi. Aussi, également. Voilà, pour suivre l'actualité de Dominique, n'hésite pas, mettre un pouce, un j'aime. Si vous voulez son numéro de téléphone, ne guérira pas. Hein. Mais non, déjà. Voilà. En tout cas, Dominique, bah, Michel Tao, bah, très bon concert, très bonne soirée également pour les dates. Oui. Et puis, merci encore pour ce soir, également grâce à Sylvie. Bah, grâce à moi, non, c'est grâce à lui qui m'a dit oui. En plus, c'est lui qui m'a dit oui pour une. Voilà. Bon, en tout cas, Dominique, bonne continuation. Merci. Bon concert encore également pour ce soir également. Puis si besoin, bien sûr, il sait que Créole FM est là pour passer un petit message. Avec plaisir. Voilà. Si ça, tu veux bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va regarder de ces clips, d'ailleurs, pour Manzel et Saisir l'amour. Oui. Et puis, on revient avec le ranquin qui a été coupé tout à l'heure. Et puis, on va terminer l'émission juste après. Il n'y a pas de souci. C'est bon ? Ouais. Allez, à tout de suite. Parti. Les gars, pas de différence.
de sa vie mon existence, jusqu'au petit bonheur la chance. Soupirer l'un pour l'autre, corps à corps, côte à côte, aimer à la passion, sans chercher la raison. On peut gagner à ce jeu-là, les déjeter dès à présent. Saisir l'amour à chaque instant. Alors aujourd'hui, nous recevons Adriana, professeure. Bonjour. Adriana, professeure de créole, langue vivante régionale au Collège Bouvet, il fait 15 ans. Histoire d'anglais. D'accord. Langue vivante, on parle du créole, là. Langue vivante régionale, voilà. Nous avons les mêmes compétences qu'en anglais. C'est pour D'accord. ça qu'il appelle ça langue vivante. D'accord. Et mêmes compétences, notes, tout ce qu'il faut. Et surtout, pédagogie de projet. Ok. Ensuite, on a Awatif. Bonjour. Bonjour, Awatif. Alors, moi, je suis chargée de développement social à la MJC Centre Social Bambou Girofle, basée sur Saint-Benoît. Donc, notre structure prend en charge les populations principalement du secteur rive droite. L'idée de cette structure, c'est de pouvoir proposer aux habitants des actions et des projets qui répondent aux besoins du territoire. Et voilà, on est là aujourd'hui pour présenter tout ça. Et vous n'êtes pas venu tout seul? Non, je ne suis pas venue toute seule, je suis accompagnée de deux jeunes. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par la demoiselle. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tamira. Je suis une élève du collège Guimauquier. Oui. Et je fais partie du projet. Du projet Voiron. Voiron 2023. Oui. Qui? Bon, on développera plus tard. Ensuite, on a Kennedy, un jeune homme. Enchanté à vous. Moi, c'est Kennedy, élève du collège Guimauquier, cinquième aussi. Cinquième. C'est à peu près tout. Et on fait partie du projet Voiron aussi. Oui. D'accord. On revient sur
Madame Adriana. Madame Françoise, en fait. Oui, Françoise, oui. Qui est professeure d'anglais, de langue créole, de langue vivante. Oui. Et qui a pour projet, en fait, de développer la langue créole en elle-même et aussi les langues, ou bien pour projet de artistique, culturel et historique. Historique. Enfin, c'est, voilà. C'est vrai que la matière. C'est un gros travail. Alors, la matière est riche, la langue, la culture, notre histoire, elle est riche. Oui. Donc, Nena, on a tas d'affaires pour apprendre. Et, oui. Et surtout, on a toutes ici. Les disponibles, un tas d'artistes aussi qui peuvent intervenir. Souvent, ma pédagogie, comme elle a dit, c'est une pédagogie de projet avec une action concrète au bout. Donc, tous les ans, qu'il soit pour la semaine créole, qu'il soit pour le 20 décembre, qu'il soit pour la journée de la femme, ou aussi il a un projet par là, il dit, bon, ben, ils nous mettent ensemble. Et là, cette année, nous poursuit un projet que nous avions lancé, une comédie musicale, l'année dernière, une comédie musicale sur l'histoire de la Réunion. Avec Bonne Marmaille, l'école Girof, entre autres. Et cette année, nous continuons. Et au lieu d'appeler ça Réunis à nous l'année dernière, nous l'appelons ça Réuniforme. D'accord. Donc le thème, le comédie musicale, c'est Bonne Forme qui représente la Réunion. Et Navé, il fallait pas mettre tout dans le projet. Et nous avons comme marraine, l'artiste en résidence, c'est quelqu'un de Saint-Benoît d'ailleurs. Que nous mettons en l'air aussi, c'est Bernadette Philippe. Vous travaillez principalement sur la commune de Saint-Benoît. Moi, mes professeurs collège Bouvet Saint-Benoît, donc je travaille pour mes élèves, qu'ils soient depuis la 5e jusqu'à la 3e. Après, c'est vrai que tu peux continuer au lycée, on a l'option au lycée, et même l'option l'a transformée, l'a évoluée. Bonne Marmaille lycée, lycée Bouvet, Zati Gaïfé Créole en LVB. C'est-à-dire que ça nous était appelé avant LV2. Donc, Zati Batate, l'espagnol, l'allemand, pour gagner plus de points et puis travailler davantage aussi sur le créole. Donc, il y a des candidats pour ça ? Ben, cette année, il y a 15 élèves en seconde, lycée Bouvet. Donc, elle est déjà pas mal. Et nous travaillons justement avec Zati aussi. Donc, c'est mon projet Réuniforme. C'est un projet interdégré avec la CM2 bilingue créole français de Girof, avec Madame Fontaine. Que tout le monde connaît bien ici aussi parce que c'est une femme active et avec le professeur de Bouvet, Madame Nadège Thomas et donc nous mettre ensemble et puis on a aussi des professeurs de français dans le collège qui travaillent un petit peu sur la partie théâtre, on travaille avec une petite sixième aussi et puis mon bon élève qui commence créole depuis cinquième. En gros le collège lui porte ce projet-là. Si, c'est moi qui porte le projet et puis nous fait réunion, nous mettre ensemble. Mais c'est vrai que le projet, un projet comme ça, une résidence, il peut être financé pour plusieurs établissements. C'est vrai que c'est le collège Bouvet qui porte le projet. Parce que justement, vous allez porter de projets, vous allez porter d'idées ou parce que. Oui, en fait, moi, l'idée, la nuit, parce que comme elle a remarqué, jusqu'à dernier bout de l'année dernière pour le spectacle, et bien bonne fille, t'es joué Maloya, n'avait bonne fille, et n'avait le talent, t'es gay joué Maloya, t'es gay chanté, mais jusqu'à dernier bout, jusqu'à sur la scène, juste dans les coulisses, bonne garçon, t'es moukate, même tantine. Et moi, maman, m'était pas d'accord parce que, mais dis-tu, comment ça se fait, bonne jeune là, en disant, et donc, elle a fait une réflexion là-dessus, mais dit, cette année, nous allons mettre en l'air bonne forme. D'où pourquoi Réuniforme. Voilà, donc la suite de Réunis à nous. Cette année, c'est Réuniforme. C'est l'histoire de la Réunion, toujours, mais à travers la femme. Donc, il commence à tout âge. Il commence sur le forme en général. Et puis, nous, ça va sur le moment, le grand-mère, le choc générationnel aussi, la modernité aussi. Et puis, bonne représentante. Par exemple, la politicienne, ça va être obligé, Huguette Bello. Mmh. Et donc, on a prévu une sortie aussi, voir rencontrer Huguette Bello. Là, c'est défaisable. Et rencontrer une femme qui aussi représente les droits de la femme à La Réunion. Donc, tout ça qui représente, on avait la politicienne, la journaliste, un monde comme Isabelle Allan, que la passe par Collège Bouvet. Nous veut donner l'ambition Marmaille aussi, montrer que, voilà, c'était Collège Bouvet. Collège Bouvet n'a son. Comment dire n'a son représentation. Donc, on a son représentation sur Collège Bouvet. Mais nous l'est dedans, et nous voit que nous avons de talent dans l'Est, et nous avons de talent dans le collège Bouvet. Que les passés auparavant, oui, qu'il est devenu la passée, voilà, et qu'il est là, et qu'il est en train de Tout. De voilà, découvrir
de découvrir aussi un talent caché que eux-mêmes tu connaissais pas. Exactement. Et Bernadette... que les parents, ils suivent derrière. Ah oui, bah, l'année dernière, les parents la nuit, les parents étaient contents et tout ça, ils donnent à nous l'élan, l'envie de continuer. Et il ne peut pas larguer, ouais, mais tous les ans, elle a fait espace. Ou il n'est pas tout seul sur ce projet. Non, non. Parce qu'il demande de l'énergie quand même. Si, il demande du temps. Parce que les professeurs, à côté de ça, il faut assumer. Oui, ah. Ben, les mamans aussi, il faut assumer tout ça. Aussi. Là. Femme, on a tout ça d'ailleurs. Mais comme il dit, ça il donne à moi la force. Comme il voit Marmaille faire Gaïa's affaires. Nous, travail, elle n'est pas facile toute l'année. Mais au bout, nous connaît que ça va servir Marmaille, tout ça là, toutes ces bonnes rencontres avec bonnes artistes et bonnes historiens, Lanu, Laurent Waraud, plein de rencontres avec des artistes. C'est ça une résidence artistique, c'est aussi pouvoir passer à l'oral aussi, vous êtes sur un projet comme ça, un projet artistique en brevet, et pourquoi pas après au lycée, mon bon Marmaille que m'a l'avait emmené en 2019, Festival Créole Seychelles. Oui. C'était un gros projet, monté de A à Z, c'était pas comme mon professeur, pas mon caté, hein. Moi aussi mes professeurs d'anglais. Mais il a des projets comme ça, et voyage, il est déjà tout télécalé, il est préparé. Calé et préparé, mais voilà. Autofinancé voilà, autofinancé ou vous avez des financements extérieurs? Oui, il a l'aide, ça. Hein. D'accord. Mais il me veut dire, oh là, pour les Seychelles, il fallait imiter Rhodes, l'école, avec le ministère là-bas, monter tout de A à Z, le logement, etc. Pour participer, le but c'était participer au Festival Créole, toujours en résidence artistique, avec quelqu'un de l'Est encore qui représente, Willy Phileas. Mm-hmm. Et nous avons un gaillard outil dans le quartier, c'est le studio Mado. En même temps, quand on parle des élèves, qu'importe, hein, mais on parle des femmes en général, bon, oui, on bien dit sûr. Pour les élèves c'est mademoiselle, bon, on ne dit plus mademoiselle, on dit madame. Est-ce que la conscience de ce projet-là, est-ce que on a conscience des racines, de nos racines, hein, parce que notre éducation d'avant, culturelle, sociale, etc., n'est pas le même, n'est pas vraiment le même qu'aujourd'hui, parce que l'a développé, les jeunes y voient les choses autrement que nous l'a vu les choses. Est-ce que on a cette conscience-là, de cette chance par rapport à la vie d'avant, la vie de maintenant? Si, et d'ailleurs, nous fait une réflexion là-dessus. Et on a une grand-mère, la nue, par exemple, dans les classes, elle vient raconter justement la chance que Marmaille a quand elle y raconte sa vie, comment elle était avant. Parce que nous, et comment les élèves, moi, ma génération, la quarantaine, c'est une génération, mais nous l'a connue, la génération d'avant, que dans les voilà, que l'a connue la difficulté, à les rois de Charles de l'Aume, voilà. Elle a eu le visuel, nous, et nous l'a eu aussi le raccontage aussi, et ça transmet aussi en comment dire, en avec bonne rencontre, avec bonne mou comme ça, mais aussi en faisant des recherches. Marmaille fait des recherches. Donc, ça, tu vois la richesse. Souvent, tout est là, mais ils ne nous voient pas. Donc, on n'a pas besoin d'attendre aller, hein, pour voir tout ça là. Est-ce que vous en avez conscience de la valeur de cette richesse, justement? Bah, au fur et à mesure que vous étudiez, avec le temps. Ah oui, si, dans le projet, bien sûr, quand on commence à rentrer dedans, oui, et puis nous, bien sûr, nous fait une réflexion là-dessus. Oui. D'accord. Et au final, bon, c'est plutôt des mineurs qu'on travaille avec. Oui, on est bien d'accord. Bonne collégiens, oui. Et aussi bonne primaire, et aussi bonne lycéen. Donc, Et du coup, c'est quand même une responsabilité, mais je suppose que le travail avec les parents est important. Le professeur travaille en responsabilité. Oui. Non, mais il veut dire que les parents y impliquent à eux davantage quand ils voient que leurs enfants y épanouissent, que les valoriser, que ils découvrent que leurs enfants sont capables de faire quelque chose et qu'ils extériorisent tout ça. Je comprends autre question. En fait, il fait plusieurs années, moi, elle est là. Et ben, comment dire? Le retour que m'en a des parents, ben c'est que le petit frère, il veut continuer la matière. D'accord. Il veut l'enseigner dans la matière. Et le petit frère et la petite sœur, donc au fur et à mesure, comme ça, c'est une transmission. On voit que les parents, c'est ça, et puis que quand un parent est là pour voir son enfant, ben, on voit que ben, elle est impliquée. Sinon, ça ne te vient pas, ça ne t'intéresse pas.
Donc voilà le retour que nous avons des parents. Et puis ben, les parents les contents. Et puis s'ils la laissent, de toute façon il faut quand même dire comment il est. Hein. Ils étaient inscrits à Z. Donc un marmaille mineur, il ne peut pas inscrire à l'IDE dans ma matière. C'est les parents qui engagent. Parents pas d'accord. Ouais. Donc bien sûr le parent, les parents sont au courant. Il est engagé aussi. Fait. Et d'ailleurs souvent c'est les parents là que Z les plus au courant que ça nous fait en créole. Parce que le cahier, tu vois dans le cahier que ça nous fait. Et puis le marmaille doit raconter aussi quand il retourne sa case. Oui, pas toute marmaille, mais le Médiao, il voit, moi quand on l'inspectait à la nuit, quand on a vu le cahier, comment il était épais, ben, il nous travaille, quoi. Nous travaille par projet, mais il faut travailler. Il y a une pédagogie derrière. Moi, les professeurs, c'est ma formation. Donc, Médiao, et puis c'est un travail de secrétaire aussi, organise un spectacle. Mais on doute pas. Appeler par-ci, par-là, fédérer tout le monde, c'est du travail. Mais comme il dit, c'est la petite fille dans les vacances, elle dit « Maman, mais là, ça travaille là !» Elle dit « Non, c'est le plaisir, c'est le plaisir, c'est vraiment... » Voilà, c'est un exemple aussi qu'on donne à ses enfants. Moi-même, comme petit collège, il rappelle encore tout le bon projet que nous l'avons fait. Et ça, c'est un bon souvenir pour un collégien, il pense, faire bonnes activités comme ça. Et ça, il reste. Et ça, peut-être, c'est comme on dit, c'est une petite graine que nous plante. Et après, pour bouger à mai et puis pour aller plus loin. Voilà, nous fait ça que nous gagne dans notre capacité. Et compétences que Zenana. Voilà, et bah, comme il dit, bah, c'est Zot qui donne à nous la force. Comme il voit comment Zot dépasse à Zot pour un spectacle, par exemple. Comment Zot engage à Zot dans des actions comme ça. Et c'est ça qui plaît à moi. C'est parce qu'elle est bien encadrée, elle est bien ciblée, elle est bien... Bah, les prouver qu'un marmaille, si on a une tâche ludique, mais pas que ludique dans le jeu, mais concrète, avec derrière une action concrète, un marmaille, automatiquement, ben, il voit l'intérêt derrière et il sera plus engagé dans son travail et voilà, elle sera plus intéressant pour lui. Tropical Night Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Light Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Si vous avez cassé vos oreilles, non. Attends deux secondes, ma mère t'a aussi la voix de Dominique Barry. Non, mais on n'aura pas la même voix. C'est où la casse mes oreilles là-bas en compte? Non, c'est moi la casse. Quand même. Hein. Bon, c'était le rancard. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, la cause beaucoup. Hein. La cause avec Dominique Barré, on a fait le rancard et ça, c'est bien. Oui, mais le rancard, entre nous, ça dit. Hein. C'est bien. Bon, en tout cas, si Dominique il écoute la radio ce soir, Dominique, tu avais un petit message, Mili quand même, hein. Un beau chanteur, continue comme ça même, bisous, et c'est signé Clo-Clo. Voilà, le petit message arrivé tout à l'heure. De toute façon, Dominique, il sait qu'il faut regarder sur la page pour pouvoir regarder l'émission, visionner en tout cas. Voilà. Bon. On n'a pas fait de rendez-vous jeu de ce soir. Il faut faire. Et ça, c'est la faute de Sylvie. Non. Tout le temps, c'est la faute de Sylvie. Non, t'es plongé dans les yeux de Dominique Barré. Ah non, t'es plongé. Ouais, gay frisson jusqu'à. Non, ma gay frisson, mais t'es pas plongé dans les yeux. Il y a vous. C'est bon, n'importe quoi, Sylvie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour gagner ce soir? Ah, mieux pas. Bon. Chambre d'hôtel, sûrement. Comment une nuit d'hôtel, pardon. Oh là là, des chambres d'hôtel. Voilà. Oui, des nados qu'un séjour. Le gros lapsus. Un séjour à gagner. Un séjour à gagner à l'hôtel Floralis. Enfin, trois séjours à gagner pour deux personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Floralis. Donc, si tu veux participer, The Survive Floralis, Paris SMS au 80-90. Floralis, Paris SMS au 80-90. Voilà. Donc, si tu ne gagnes pas, c'est Sylvie qui gagne. Oui, parce que. Ah, elle n'a pas tombé dans l'oreille d'une saute par contre, celle-là. Il veut bien. Le cadre est super. Franchement, oh là là. En plus, manger les bons marmailles. Carifeux de bois. Ôté. Donc, joue. Je vais voir quoi il veut dire Floralis et manger carifeux de bois. Et Léna, 100 euros à gagner si Zotti découvre le chiffre mystère du jour. Alors c'est quoi le pronostic d'ailleurs? D'ailleurs, si Zotti veut participer, Zotti envoie cash, K-A-S-H, par SMS au 80-90 et peut-être que Sylvie va... C'est de 1 à 10, mais il dirait 6, 9, ouais.
C'est quoi ça, ça donne quoi du coup? Ça donne 6 ou 9. Voilà, c'est ça. Donc, pronostic de Sylvie. En tout cas, donc, c'est peut-être le chiffre mystère donc, à découvrir maintenant. Si tu envoies d'ailleurs, si tu envoies donc, le mot cash, K-A-S-H, par SMS au 8090, et peut-être que Zot va découvrir le chiffre mystère. Donc, peut-être le 6 ou le 9. Oui. Si tu peux cocher. Ou bien le 5 aussi, il est bien. Le 5 aussi, il est bien. Ouais. Ok, d'accord. Mon anniversaire. Mais il dira pas le mois, mais c'est un 5. C'est quel mois, ça? Mardi, mais il dira pas le mois, mais c'est un 5. Alors, à partir de maintenant, tu vas me dire le mois, tout simplement. Non. Allez, dis-moi le mois. Pas du tout. Dis-moi. Non. Moi? Non. J'adore. Bon, Sylvie. Oui. Donc, concrètement. Oui. C'est quand ton anniversaire? Ben, dans pas longtemps. Alors, nous allons faire un petit test. D'accord, est-ce que c'est janvier? Non. Est-ce que c'est février? Non. Regarde-moi dans dans mes yeux. Non. Regarde-moi dans mes yeux. Oui. Regarde-moi. Mais oui, petit haut de yeux seulement. quand même mes yeux les petits. Comme chinois, quand il rit là, il vient petit. Oui, mais c'est la fatigue. Février? Non. Mars? Non. Avril? Non. Mai? Non. Décembre? Non. Janvier? Non. Il faut bien m'y aîner, bien sûr. L'aîner. Voilà, mais quel mois? Bah pourquoi au mon mois? Au mamie, enfin, au la nuit de telle, voyons. C'est... Ah bah alors, je vous dis pas, moi, m'y offre pas au moins. Ah non, mais promets-moi en direct là. Ah non, moi. Que si m'y dit le mois. Ah non, mais. Non, mais je joue pas les coups, moi. Par contre. Midia ou le mois, et là nous l'est en direct, promets à moi. Ah, bah jamais dit, mais promets moi. Ah non, mais là, il demande de promettre à moi. Si midia ou mon mois de naissance, oui. Bah, désolé, ou offre à moi une nuit d'hôtel pour non. Deux personnes. Alors... avec petit déjeuner et quoi et dîner. Ah oui, bah on croit encore Père Noël ou oui. Ah non, mais de toute façon, là, on veut pas dire, donc on dit pas. Non. Donc voilà, bah voilà, on guérira pas la nuit d'hôtel. Ouais. Quel dommage, hein. Il va prendre pour moi. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai même pas le droit de jouer. Alors... Bah, mais il devrait y avoir FAO quand même, tu vois, mais il veut pas dire moi. Non, voilà. Mais fais pas passer au pot un bon samaritain bah, oui. À l'écran, s'il te plaît. Si, voilà, donc. Voilà quoi, c'est bien, je suis un bon samaritain. Bon. Je suis un homme généreux quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Pourquoi oui. On voit pas vraiment un homme généreux là? Si, si. Bah, non, Sylvie. Si, mais waouh, les généreux. Ah. Tu vois là, vidéo comme ça, ouais, cause toujours tu m'intéresses. Connais ce dicton là, cause toujours tu m'intéresses. Oui. Et ça veut dire quoi? Je sais plus. Cause comme on veut, mais il intéresse pas où en gros quoi. Bon, Sylvie, quand ça se retrouve à Oula du coup? Très bonne question. Pour le en mois fait, de. En fait, on a mon chef. Mon chef. C'est qui le chef? Il appelle Dani. Ah, mais pas de chef. Ouais, n'importe quoi. Depuis combien de chef, moi? Eh ben, lui, il a donné à mon mois de mai. Il m'a pas dit non. Parce qu'il trouve que m'y travaille trop, que m'y cause trop. Que... Non, mais jamais du cause trop, moi, Sylvie, franchement. Quand tout ça... en dit. Oui. Tout en dit. Oui. Ben, du coup, mais ça fait ma bouche. Mm-hmm. Mais ça. Reviens en juin. Oui, pourquoi pas. Oui, bon. Bah, m'y donne une petite vacance, quand même. Oui, bien sûr, mais voilà. Là, c'est une vacance macale, ce moment. Hein. Oui. Après... On va pas offrir moi une nuit d'hôtel. Hein. Oui, bah, de toute façon, nous viens manger chez vous, pas de problème. Pardon? C'est pas des vacances, ça? Bah, quoi, pardon? Bah, nous viens manger chez vous. Ben oui, toutes les animatrices viennent manger chez toi. Oui, bah, il s'est fait crevette, mais il s'est fait plaisir un petit peu tout le monde. On salue quand même Wendy, la crevette. J'ai adoré ta parodie. Oui, moi aussi, mais un peu moins. Il croit même Dominique, il s'est enregistré ça. D'ailleurs, ce sera dans les meilleurs moments de la semaine prochaine. Ah oui, t'es là. Ah là là, Wendy. Foutu. Wendy, alors Wendy, où c'est un cas vraiment. Franchement, Wendy, c'est un cas. Et la dernière fois, quand Linda Lani a fait une parodie. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, il a fait une parodie. Donc voilà. Non, mais au moins elle y ose. Oui, il veut dire qu'elle est. Elle en a un esprit créatif. Oui, ah, trop même. Oui, mais ah ouais. C'est de bonnes attentions. Oui, voilà. Donc, ma fille dit Wendy, hein, de l'eau de Javel, faut consommer avec modération. En tout cas, le week-end ne tire pas à sa fin. Hein, donc, bah oui. Bon, en tout cas, parce qu'il reste quand même 6 petites minutes.
Oui. Demain, c'est le 1er mai. Le 1er mai. Voilà. Je vous fais aller, mais là, il travaille. Et franchement, mes yeux de bon courage. Mi les gens qui, surtout dans les milieux hospitaliers, etc. Hein. Et les gens que, ben, malheureusement, ils travaillent dans une station, parfois dans un supermarché, il est ouvert aussi le matin. Et c'est le seul jour, bien sûr, que nous pouvons profiter de notre famille, mais malheureusement, la société veut qu'on travaille maintenant. Je vous dis bon courage pour demain. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ben, profite bien, fais grasse mat, prends un petit déjeuner, brancher, saisonne une piscine. Moi, mon âne, mais à l'hôtel Floralis. plonge dedans, invite, profite de notre famille, profite de nos amis, profite de la vie en général. Et souriez, chantez, dansez. Et ils pensent que c'est le meilleur moyen pour nous de larguer le stress, de larguer ce qui est négatif. Et puis, voilà. Et puis, bien sûr, mardi viendra où vous irez travailler. Mais dites-vous que c'est notre gagne-pain, tout ça. Hein. Donc, on n'a pas le choix. Mais tant que nous sommes debout, tant que nous avons encore la foi et l'envie, on a de la vie. Voilà. C'est pour ça qu'on me dit aux autres, Sylvie Costru, il n'y aurait plus. Non, mais dis les choses avec le cœur, sans déconner, mais connais tes émotions actuellement, vas-y, exprime ton émotion. Non, c'est pas des émotions, c'est juste que moi, quelqu'un d'empathique, et que j'essaye de mettre à la place des gens, parce que moi aussi, j'ai travaillé dans des entreprises, et à un moment donné, on est comme pris en étau, on est sans obligé de rester, parce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'ai eu la chance de reconvertir, moi. Donc, mais ceci dit, moi, je travaille demain parce que il est mon propre patron, il décide, tu vois, et il choisit un autre jour dans la semaine pour mon 1er mai. Mais franchement, il met à moi à la place des gens parce que moi, elle a vécu ça. Et il connaît que c'est pas facile. Et il connaît que quand on est loin de notre famille, quand on n'a pas forcément le temps de faire la fête, parce que mine de rien, après le Covid, voilà, nous reprend vie, nous reprend goût. Et il faut que ces moments-là, ils se passent. Voilà. Tout simplement. Ça fait pleurer, moi, Sylvie. Pleure. Non. Après les frissons, c'est les pleurs. Et c'est quand au feu de 1er mai, parce que mademoiselle, elle a dit comme ça, elle dit pas son muguet. Oui, on l'a même pas ramené en plus. Nous avons au feu de 1er mai la semaine prochaine, mais pas demain. Ben oui, ben demain, il travaille. Oui, mais alors, je vais détendre des gens qui sont stressés. Voilà, c'est ça. Donc, au feu de 1er mai, quand Je pense que je vais le faire lundi prochain. Ah ouais, lundi prochain, c'est encore férié, ça, c'est le 8, je crois. Ouais, ce sera mon deuxième jour férié. C'est le 8, hein. Mais il faut de moi deux muguets. T'as pas aimé. Non, mais comment le gourmand, donc? Notre gourmande, pardon. Ah, non, mais pas gourmande. Moi, elle est juste m'y mettre satisfaite. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas pareil. Voilà, donc en fait, vous veut commander à moi, quoi. Hein. Tu vois, il veut demi-gay. Hein, demi-gay. Ah non, mais il m'a pas dit comme ça. Il m'a dit demi-gay. J'ai dit demi-gay. J'ai dit demi-gay. Voilà, c'est ça, demi-gay. Du coup, il faut moi demi-gay. Voilà, c'est ça, vous l'avez vu. En fait, l'intonation de ta voix qui insiste. C'est autoritaire. C'est beaucoup autoritaire. En tout cas, il est déjà 21h58. Sylvie, moi, mais c'est une bonne fête de travail. Merci, et puis, toi aussi, Dani. Et bisous à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Gros bisous. Bonne fête du 1er mai à tous. Bisous. Voilà. Très bonne soirée, tout le monde. Ciao, bye. Je regrette et maintenant je prie pour qu'un jour on se revoie. Toi et moi, ça aurait pu être si beau. C'est plus fort que moi. J'avoue, je t'ai dans la peau. Je te meurs. Oui, c'est faux. La plus douce des mélodies. Tu m'emportes au son de ta voix. Je me sens comme dans un paradis. Quand tu t'endors auprès de moi, on te demande de danser, danser, danser. Jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève, jusqu'à ce que la vie nous achève. Danser, danser, danser. Mon amour, laisse-moi exprimer.